Bienvenue sur votre chaîne Ivoire TV 5. La chaîne au cœur de l'information africaine. Abonnez-vous, et activez la cloche de notification, pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. C'est une mauvaise nouvelle pour tous ceux qui militent en faveur de la libération d'Alpha Condé, pour qu'il puisse aller vivre à l'étranger. Le Comité National pour le Rassemblement et le Développement, CNRD, annonce qu'il est hors de question de laisser le président déchu, sortir du territoire guinéen. La junte au pouvoir, a donné cette précision dans un communiqué signé de son président, le colonel Mamadi Doumbouya, élu ce vendredi soir, 17 septembre 2021, à la télévision nationale. Communiqué numéro 28. Contrairement à des prétendues rumeurs qui font état de négociations entre le CNRD et la CDAO, relatives à une éventuelle sortie hors du territoire de l'ancien président de la République. Le CNRD et son président, le colonel Mamadi Doumbouya, tiennent à rassurer l'opinion nationale et internationale que l'ancien président de la République, professeur Alpha Condé, est et demeurera en Guinée. Nous ne céderons à aucune pression. Contrairement à des prétendues rumeurs, qui font état de négociations entre le CNRD et la CDAO, relatives à une éventuelle sortie hors du territoire de l'ancien président de la République, le CNRD et son président, le colonel Mamadi Doumbouya, tiennent à rassurer l'opinion nationale et internationale que l'ancien président de la République, Alpha Condé, est et demeurera en Guinée. Nous ne céderons à aucune pression. Il bénéficiera d'un traitement humain, digne de son rang dans son pays. Le service communication du CNRD animera un point de presse ce samedi, 18 septembre 2021, à 11h, au chapiteau, pour éclairer la lanterne de l'ensemble du peuple de Guinée, souligne le communiqué.